peu plus près sur ses œufs. Voilà, vous voyez le double tête qu'il a pris? Ça, sur CSGO, jamais ça arrive. Le mec te tue avant que toi, tu le tues. Vous voulez échanger vos skins? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On va voir ce que ça donne. Le bruit, ouais, quand tu mets un chaise, c'est pas mal. Après, je trouve le bruit, le son est peut-être un peu trop précis. La balle transcende de la WAP est incroyable. Bizarre, hein. Il y a des trucs un peu bizarres, je pense qu'il faut s'habituer. Mais le jeu est cool, hein. Il y a pas mal de gens qui aiment bien. La hitbox est pareil sur CS2. Elle est plus grosse sur CS2. Là, tu vois le haut jiggle là, comment je... Tu rates très peu, hein, quand t'es sur la tête, tu rates très peu, je pense. Les HS passent mieux. Ah, c'est normal, hein, la hitbox est plus grande de 20%, les gars. En termes de volume, elle est plus grande de 20%, la hitbox. La hitbox de la tête est plus grande de 20%. Donc le jeu touche mieux parce que déjà t'as la hitbox. Ensuite t'as le tick rate, donc ça touche mieux. Ils ont changé tout le netcode, donc la bande passante, l'encodage des informations, etc. Donc il y a une meilleure gestion de la connexion, il y a une meilleure gestion des informations. Donc en gros ça touche mieux, tu perds moins de balles. Tu sais, le tick 64, t'as des balles qui touchent, tu vois du sang, mais le serveur il le prend pas en compte. Moi je trouve les maps réussies. Ah, aïe 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 aïe, le spray frère. Tu vois qu'ils l'ont nerf quand même le spray. Ce qui est pas trop mal en vrai. Ceci dit, pas trop mal qu'ils les nerf. Ouf. Eh, je le voyais même pas le terreau là avec le casque blanc là. Wesh, il était invisible. J'aime pas les couleurs. Faut que je change les couleurs là, vite. Sur mon écran. Habitué à ces couleurs. On voit mieux, mais je sais pas, c'est bizarre. Peut-être faut que je joue en fait. Faut que je joue, je pense. Un enfer la M4S, hein. Faut reload toutes les 2 minutes. J'ai déjà que 12 balles. Oïe, oïe, oïe. Ouais. Dieu t'a donné un cerveau à toi. Il est carbonisé, hein. Et qui court au Glock là. J'ai l'impression que le run and gun sur ce jeu il est plus important que sur CSGO par contre. Ça c'est peut-être un défaut. Ah, ça c'est peut-être un défaut. Voilà, vous voyez le double tête qu'il a pris? Ça sur CSGO jamais ça arrive. Vous voyez là la M4S là? Il a pris un double tête de zinzin. Ça sur CSGO vous pouvez oublier. Double tête à la M4 sur CS c'est impossible. Là c'est pareil, hein. Ce qu'ils viennent prendre le terreau là. Jamais de la vie sur CSGO ça arrive. Là ça allait vite aussi, hein. Ah, là j'ai fail, 72 en 3. Putain, à chaque fois j'ouvre la console frère. Je trouve les maps réussies pour le coup. Une belle visibilité. Je trouve largement les pistoles plus faciles. Ah, le truc c'est que t'as la mobilité. Les mouvements je les trouve beaucoup trop forts. C'est les mecs quand ils swingent à droite, à gauche, t'as l'impression ils sont... C'est difficile de les hit. Et comme la hitbox est plus grosse... Là je rate, tu vois, je sais pas pourquoi je rate. Là, tu vois, pareil, hein, le spray, j'ai l'impression de le rater. Hein. Les mouvements, c'est pas encore très fluide. Ouf, tu vois là la petite tête là, miam miam. Ça c'est CS2 ça par exemple. Tu vois, double tête là, pareil, sur CS2, ça c'est impossible. Brizzy, merci pour le sub. Et ça, je trouve ça bien, moi, pour le coup. Là, double tête, pareil. Tu vois, ça c'est bien, par contre, le fait que tu puisses double tête. Voilà, vous voyez là, les droite-gauche, 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 c'est un enfer. La K, elle a de la gueule. La K, elle a bien de la gueule, les gars, je vous le dis.
Oh mon dieu, c'était beau ça. Vous voyez le kill? Jamais je le fais sur CSGO celui-là. C'est la hitbox qui fait que... Et là, headshot, headshot. Voilà, et la hitbox elle touche. Hein. Tous les nullards hein, de Valorant, ils vont kiffer. Hein. Tous les nullards de Valo, ils vont kiffer leur vie. Tu peux plus spray sur ses œufs? Si. C'est juste que, en fait, j'ai l'impression que le spray est un peu plus difficile. Et comment dire? Donc faut un peu plus faut un peu plus tenir la faut un peu plus genre hein, faut un peu plus concentré. Oh, je l'ai touché derrière 52. Non, on va voir, regarde. Oh, tu peux spray, tu peux. C'est juste que oh, mais je vais faire que des corps là. Je vais faire que des corps, tu vas voir. Tu vois? Là en fait, je lui mets 95 en 3. Et pourquoi je perds le duel? Parce que maintenant la hitbox elle est grosse. Et donc lui il m'a mis une tête en fait. Pendant que je spray, il m'a mis une tête. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que toi t'as l'impression que le spray il est plus difficile. Parce qu'en fait le mec te tue avant que toi tu le tues. Avant le spray, tu faisais... le spray est toujours bon, tu vois. Là le mec de dos, tu prends, tu spray, tu cherches pas à comprendre. Le truc maintenant c'est si tu spray t'es immobile. Et que le mec... Regarde, regarde. Tu vois, le spray il passe, le spray il passe. S'il me rate, le spray il passe, fait. Tu vois, le spray, il n'y a pas de problème, il passe. Le souci, regarde, ça passe encore. En gros, vous avez l'impression que le spray ne marche plus parce qu'en fait, avant, le spray vous permettait de gagner un duel et puis c'est tout, ok? Aujourd'hui, le mec, en fait, pendant votre laps de temps, si vous le tuez pas, eh bien, en fait... Il peut vous tête. Il peut juste vous tête pendant que vous faites le spray, le mec peut vous tête. Vous comprenez ou pas du tout? Oh là là, ce qu'il vient de prendre. Oh, la hitbox, c'est une dinguerie, bro. Après, je suis content, je suis pas content. Parce que c'est... Ouais, ça touche mieux, mais en fait... Ah non, j'arrive pas à faire le move. Ça touche mieux, mais... ça veut dire aussi que... Ça veut dire que ça touche mieux dans les deux sens. Donc il va falloir travailler son positionnement, les gars. Moi je vous le dis exactement comme Tuk il a dit, je pense qu'il y a un truc, ça va être un enfer. Franchement, le spray à la K est horrible, il change. Sûr. Non, mais regarde, je vais mettre en terreau, je vais te montrer qu'on peut AK, on peut AK spray. Genre. C'est un peu plus complexe, mais genre tu peux spray, je te jure, tu peux spray. Tu peux plus peut-être spray transfert comme avant. Tu peux plus, genre vraiment faire un spray contrôle. Genre faire un mec, un deuxième mec, un troisième mec et tout. Peut-être, tu vois, en vrai de vrai. Regarde. Tu vois, genre peut-être ça. Peut-être ça, tu vois. Mais faire ça comme ça. Là, le mec sur la porte, il est mort, gros. J'ai un peu raté ici, là. Tu vois, t'as des balles un peu à droite, un peu à gauche. Mais c'est concentré, tu vois, je le tue. Allez, AK. Faire que des sprays. On va voir, que des sprays. Allez, là, il y a un duel. Oh, tu peux spray, frère. Tu rates un peu, mais tu peux spray. Là, il serait mort. Oh, tu peux spray, frère. Hein. Je te le dis. Hein. C'est juste que... Bah ouais, c'est un peu plus dur que CSGO. Un peu plus dur. Voilà. Non, je pense qu'on peut spray. Hein. Peut-être le recul est un peu plus important. Au feeling, hein, je dis juste au feeling. Regarde. Non, tu peux spray, gros. Mais là, je le spray de ouf. Et une grosse distance en plus. On va voir vraiment. Bon, là, peut-être là, non, quand même. On va pas abuser. Vas-y, là-bas, il y a un duel. Là, il y a un duel aussi. Allez, un spray. Donnez-moi des longs duels. Putain. Putain. Allez. Tu vois, ça passe le spray là. Oh là, le headshot, il est beau. Le problème, c'est. T'as l'impression d'être Nico alors qu'en fait c'est juste la hitbox qui est énorme, quoi.
Voilà. Là j'ai fait ça, j'ai l'impression d'être Scream. Sur CSGO jamais tu fais un duel comme ça. Là le duel sur CSGO là tu spray là en général. Voilà pareil. Là t'as l'impression d'être Scream alors que sur CSGO ce duel là tu le rates 10 fois là. Sur le mec baril top mid. Donc tu vois c'est en fait si le mec il te loupe en face, tu peux le tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas louper son spray genre. C'est juste que le spray il est moins permissif. Mais tu peux spray. Les gens qui disent que vous pouvez pas spray, c'est totalement faux. Je pense qu'il y a un juste équilibre. Regarde. Oh, je l'ai spray là, je l'ai spray. On est d'accord que je l'ai spray. Bon là, tête crosshair placement. Au revoir. Faut s'habituer. Moi, c'est la première fois que je joue à CS2, les gars. Depuis toutes les mises à jour et tout qu'ils ont fait. Voilà, je rate mon spray, je suis mort. Ouais, là, j'ai raté mon spray, je suis mort. Y a pas de ouais, y a pas, il faut plus spray. Là, j'ai raté mon spray, je suis décédé. Là, il a pris un headshot de zinzin. Là, je rate, il m'arrache. Merci, au revoir. Au bout d'un moment, faut pas mettre la faute sur le jeu. Hein. Là, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Hein. 95 en 3 coups. Je le rate un peu, il se retourne, il me tête. C'est... Il faut pas rater. Faudra pas rater. Faudra pas rater en fait. Faut viser la tête ou faut pas rater. Comme sur un 6 et sur... au début de CSGO. Et la tête, jamais de la vie, je le rentre sur CSGO celui-là. C'est pour ça que je vous le dis, viser. Là sur CSGO... J'aurais juste fait ça, il serait mort. Hein. Mais là, j'ai voulu IM parce que vas-y, frère. Je fais que me faire rafaler depuis tout à l'heure. Ouais, il est plus punitif que CSGO. C'est pour ça, les gens, ils disent c'est plus facile. Moi, je pense que c'est juste plus punitif. Fils de pute. C'est plus facile, mais c'est plus difficile à la fois, en fait. C'est pour ça que je dis il y a un juste équilibre. C'est plus facile parce que la hitbox est plus grosse. Mais si tu rates, frère... Là, je spray accroupi comme un noobard de merde. Je le rate, il m'arrache, point. Les gens ils diraient ouais sur CSGO. Aurel, merci pour le sub. Les gars, merci de vous abonner. Vous êtes des monstres. Il y a le September. Bah pareil, il me rate. Ben voilà, je l'ai puni. Il a pris une dinguerie. Voilà. J'ai l'impression que le contre-strafe est plus facile. Okay. Là, mais je suis un peu à côté de sa tête, mais. Je pense sur CSGO, je le touche pas là. Mort, mort. Là sur CSGO, pareil, je lui mets pas la tête, je pense. Là, je rate, et ben je meurs. Je pense que va falloir jouer différemment les duels. Il y a des duels qui va vraiment falloir arrêter de jouer en fait. Les duels comme ça, avant tu les jouais pas sur CSGO. Maintenant sur CS2, tu vois, là il m'a raté, ben mort. Là les duels comme ça, peut-être sur CSGO tu les jouais pas. Sur CS2 tu peux les jouer. Parce que la hitbox entre guillemets elle est plus grosse, donc tu vas dire vas-y je vais la IM. Monsieur Reese, mais moi j'adore. Voilà pareil sur CS2. Après je suis fort, hein. Je suis fort en fait. Ouais. Tu vois, le spray il passe, les gars. Les gens qui disent ouais, y a pas de spray, c'est pas qu'il y a pas de spray. Y a du spray, c'est juste que. Non. Voilà, vous voyez là, avant de mourir, je l'ai accroché lui. Ça sur CSGO, jamais, ça arrive. Là, jamais je fais 3 têtes comme ça sur CSGO, frère. Jamais. Donc c'est pour ça que je vous le dis, il y a des trucs où tu mets pas avant et il y a des trucs où tu vas mourir que tu mourrais pas avant en fait. Là je suis en plein milieu, je joue mon duel, j'en ai rien à foutre. Si jamais de la vie ça arrive sur CSGO. Ouais tu spray ça passe. Ouais tu spray ça passe. Si le mec te rate tu peux spray, si le mec te rate pas par contre là t'es un peu finito quoi.